Il voulait juste tourner le dos à la ministre des Outre-mer en haut des marches à la préfecture. Mais repoussés par les forces de l'ordre, les Gilets jaunes ont dû organiser cette action symbolique juste en bas. L'idée était de rendre l'appareil à Annick Girardin. Car aujourd'hui, encore plus qu'hier, les Gilets jaunes ont eu l'impression d'avoir été ignorés par la ministre. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti un mépris. À la base, les revendications des gens, c'était la vie chère. C'était l'incompréhension, c'était une souffrance. Et du coup, elle est venue, elle ne parle même pas de ça. Elle parle d'autre chose, mais pas les Gilets jaunes. Donc concrètement, elle est venue faire un bilan de ce qui s'est passé, mais où sont les Gilets jaunes là-dedans? Il n'y a pas. Nous ne sommes pas représentés. En réalité, les Gilets jaunes reprochent surtout à la ministre des Outre-mer de ne pas les avoir écoutés. Pour elle, on dirait que le travail est terminé. Non, mais elle n'a rien commencé déjà. Et c'est des chiquettes qu'elle nous envoie et sur la vie chère. Il y a plein de questions qui se posent et quelle réponse elle a à nous apporter là-dessus quoi. On a pris conscience que l'État ne fera rien pour la Réunion. La ministre, elle ne va rien faire pour nous. L'État nous a prouvé en 3 mois qu'elle ne défendait pas la population, qu'elle défendait les grands économistes. En novembre dernier, à l'inverse d'aujourd'hui, les Gilets jaunes étaient bien plus nombreux devant la préfecture. Tous avaient espoir à l'époque que les choses changent avec l'implication de la ministre. La dernière fois, elle nous a dit qu'elle n'avait pas de baguette magique. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'en a toujours pas. À son arrivée, moi, la chose qui m'a qui m'a énormément déçue, c'est quand elle est passée sur le sujet de la vie chère, qu'elle a très vite zappé en disant les prix ont toujours été chers dans les dom-toms. Donc, parlant de la vie chère comme si c'était une fatalité. Mais la vie chère n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, malgré leur déception, pas question pour les Gilets jaunes d'abandonner leur combat pour le pouvoir d'achat.